Cher Père Céleste, je te remercie. Ce nouveau jour, un cadeau précieux de votre aimé. Entre les mains, vos miséricordes sont nouvelles chaque matin. Et je suis reconnaissant pour votre constante présence dans ma vie. Seigneur, je demande ta guidance et ta sagesse. Aujourd'hui, aide-moi à marcher dans ta lumière et pour refléter ton amour dans tout ce que je donne-moi la force d'affronter n'importe qui. Défi et courage pour rester ferme. Ma foi, que tes paroles guident mes pensées et actions et que votre amour coule à travers. Je dois toucher ceux qui sont autour. Moi, j'élève ma famille et mes amis. Toi, Seigneur, bénis-les de ton amour et la protection guide leurs pas et garde leur cœur pour ceux qui ont du mal à porter. Confort et paix pour ceux qui sont joyeux, que leur joie soit complète dans. Tu m'aides à être une source de soutien et des encouragements pour eux en réfléchissant. Ta grâce et compassion, que ton Saint-Esprit me remplisse, me conduisant dans ta vérité et la justice, me protège de la tentation et aide-moi à être un phare de ta paix et grâce à ceux qui m'entourent. Remplis-moi de ta sagesse pour que je prenne des décisions qui vous honorent et qui vous apportent. À propos de votre, est-ce que mon Père, je soulève mes soucis et inquiétudes pour vous en ayant confiance que vous êtes, sont en contrôle et que vos plans pour moi je suis. Bien, s'il te plaît, pourvois à mes besoins et à ceux besoins de mon bien-aimé, ceux où j'abandonne mes angoisses et mes peurs. À toi, sachant que tu tiens à moi et j'ai promis de ne jamais me quitter ou abandonner. Moi, merci Père pour ton indéfectible amoureux et miséricorde. Ta grâce me soutient ainsi que ton. La fidélité renouvelle que mes paroles et mes actions d'aujourd'hui m'apportent. Gloire à ton nom. Aide-moi à vivre dans une manière qui vous honore et reflète le amour du Christ pour tous ceux que je rencontre, car je connais les projets que j'ai pour toi. Déclare que le Seigneur prévoit de vous faire prospérer, et pour ne pas vous nuire, des plans vous sont donnés. Espoir et un avenir. Jérémie 29, verset 11. À toi, Père, je donne tous les éloges, honneur et gloire au nom de Jésus, moi. Priez. Amen. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous. Prière du matin avant de commencer votre journée. Seigneur, que tes paroles guident mes pensées et mes actions.